Oui, il t'a dit fais comme tu veux. Chokran. On a grave amel libreti. Si, très bien. C'est artisan. Tisse, des tissus sur des motifs anciens. Dans un local qui est relativement petit. Merci, monsieur. L'autre fois, le monsieur celui-là, lui se fait ramener, parce que je ne sais pas la spécialité du bracelet, moi déjà t'ai ralloué. Il y a l'autre genre. Ici, l'ouvrier du tissage en plein travail. إن الدنيا دابا العالم ماشي قدام واش رجع لور قالوا هذا قالوا العجالة اللي ما قالوا كذا نروح للروما في الصيغة هذه المحاوية شو واحد معروف السكاكين السخة صاحب العجب العجب والعجب الروما في الإنسان كيجي عنده كيتهاوي معاه والعالم هو في المقوى Une particularité assez méconnue dans ces médinas, c'est le marquage sur le sol des directions à suivre par le nombre de lignes affichées au sol. Quand il y a ici, par exemple, il y a trois lignes, ça veut dire qu'il y a une sortie qui mène vers la porte. Donc lorsque vous sortez de la médina, vous accédez ensuite à la rue
et de la ville. Lorsqu'il y a deux passages, ça sous-entend que vous allez aboutir dans un carrefour où il y a deux possibilités. Et lorsqu'il n'y a plus qu'une seule bande, eh bien ça veut dire que vous êtes dans une impasse et qu'il vous faut faire demi-tour. Les rues étaient imaginées et pensées avec beaucoup d'intelligence, puisque les gens se servaient de ces lignes pour se diriger. Ici, est expliqué que le tannage du cuir se fait dans cet endroit. C'est un endroit qui a été reconnu par l'UNESCO. Nous allons entrer. Il y a assez peu de gens qui l'ont déjà vu et qui le connaissent. Le travail du cuir se fait et se faisait dans ces bassins, desquels se dégageait une odeur assez conséquente. Ici, un ouvrier en train de travailler les peaux. Alors il m'expliquait que pour travailler une peau, à l'état brut, à l'état terminé, il fallait à peu près un mois. Donc sur la droite, les peaux brunes sont les peaux à travailler. Et les blanches sont celles qui ont été travaillées là. Il n'y a aucun produit chimique dans les bassins, simplement de la chaux avec de la fiente de pigeon et de la sciure de bois qu'ils mettent à l'intérieur. C'est ce qui leur permet d'enlever les poils de la peau, afin de les rendre le plus lisse possible. Et ensuite, grâce au travail de la chaux et de la fiente de pigeon, les peaux blanchissent. Ici, dans le local, sont entreposées quelques-unes des peaux qui sont travaillées. Le travail brut des peaux est entreposé ici et envoyé ensuite aux artisans du cuir. Alors pour la visite de la médina, j'ai trouvé un guide qui est vraiment très 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 gentil. Il s'appelle Lotfi. Lotfi ? Ouais, ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, c'est un homme qui habite ici depuis très longtemps et qui pourra, si vous le voulez, vous faire visiter en même temps la médina. C'est ce qu'il a fait avec nous. Derrière la tannerie, sur lequel on a accès ici au cimetière. C'est un grand cimetière. Le bâtiment qui est un peu plus haut ici. Accède à la Casbah en sortant de la médina par une des portes, la porte du cimetière, et ensuite après un petit peu de marche à travers celui-ci, on accède à une partie assez peu connue de la ville de Tétouan, qui est la Casbah. Tétouan qui à l'origine signifiait fontaine de l'eau. C'est une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'eau, ainsi qu'à Chef Chawan. La vue de Tétouan.
étoiles lorsque vous êtes en haut du cimetière. Et là-bas, on est avec la mosquée principale de la Médine. Le vert et le blanc sont les couleurs de la ville. Au loin, là-bas, la mer. On accède à la Casbah par ce chemin qui est derrière le mur. Le mur dans lequel il a été fait une entrée pour que les gens puissent passer aisément. Là aujourd'hui j'ai de la chance. Il n'y a presque personne. Nous sommes un mois où il y a le ramadan, c'est un peu exceptionnel. Et à certaines heures de la journée, au moment de la prière ou du repas du soir, les gens désertent les rues. Arrivé en haut, on a accès à une vue de la ville qui est totalement différente ici. C'est pour ça que cette partie de la ville est appelée la ville des morts-vivants. Alors que l'autre partie, où il y a le cimetière, on l'appelle la ville des vivants-morts. Ici, est toute l'activité des gens et de l'autre, leur sommeil. Ici, vous voyez la partie maintenant inhabitée, la partie qui était occupée par les Espagnols auparavant et qu'on appelle la Casbah. C'était là que les garnisons espagnoles résidaient. C'est cette partie qui domine la ville de Tétouan. Maintenant, les Espagnols. La balade dans la Médina est très agréable, dans les heures évidemment où elle n'est pas trop encombrée, mais même dans les moments où elle est très populeuse, c'est toujours un plaisir de voir ces gens se bousculer, être les uns à côté des autres, vendre, acheter, se balader. C'est quelque chose qui manque parfois dans les villes européennes, dans lesquels on finit par s'asseoir devant sa télévision. Ici, les gens restent dehors très tard. Là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le mois du ramadan, c'est exceptionnel. Je crois que je n'aurais pas eu la possibilité de voir ces villes aussi, ces ruelles aussi vide que ce mois-ci. Ici, une toute petite ruelle de la Médina, très calme comme vous le voyez. Une des raisons aussi de la désertion des rues, c'est que nous sommes le vendredi, et le vendredi est le jour de la prière. Donc les gens restent chez eux et ils ne sortiront qu'en fin de journée. Donc on peut dire que c'est pour moi un jour de chance terrible que de pouvoir filmer ces ruelles presque à l'état brut, sans personne. Tout à l'heure nous avons vu dans les quartiers commerçants tous les gens et ici les ruelles sans personne. Ici, dans cette ruelle,
C'est une source qui coule depuis toujours. C'est une des sources originelles de la ville, peut-être une de celles qui ont permis à la ville d'avoir son nom de Tétouane, qui veut dire fontaine d'eau. Ces ruelles de la Médina désertées l'après-midi, mais par contre remplies de monde le soir à partir de 5 heures. Tout le monde sort, les enfants s'amusent, les adultes passent et repassent, discutent. C'est un contraste frappant. Une chose particulière, c'est qu'on ne sent absolument pas la chaleur de dehors. Il fait vraiment très frais dans ces ruelles. C'est agréable de s'y balader. Ici, je me dirige vers la mosquée, dans laquelle des femmes apprennent le Coran, certainement vous les entendez chanter. L'artisan boulanger au travail. Il a quelque chose de réuni, je ne sais pas si vous voyez. Thank you.